Coucou à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette en vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la tarte au sucre. Pour réaliser cette recette, je vous invite à cliquer sur la recette en vidéo de la brioche qui se trouve en bas de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus pour avoir la vidéo. Donc ici je prends mon cercle, je prends ma brioche et je vais commencer à l'étaler. Donc la brioche, surtout n'hésitez pas à fariner votre table et votre rouleau, sinon ça va coller dessus. Ma pâte est légèrement plus grande que mon cercle, je vais pouvoir tailler dans ma pâte. Voilà, donc c'est à peu près 2 mm d'épaisseur. Voilà, donc mon cercle est beurré, ma feuille d'aluminium est beurrée aussi pour éviter que ça colle. Je mets ma pâte à l'intérieur et je laisse pousser pendant environ 1h30, 2h. Voilà. Donc ma brioche est poussée, je réalise une dorure, donc avec un œuf, une pincée de sel et bien battu, je prends du sucre roux, de la crème liquide, donc je commence à dorer ma brioche, tout en faisant attention de ne pas la faire retomber, allez-y délicatement. Ensuite, je trempe mon doigt dans la dorure pour éviter que ça colle et je commence à former des trous sur ma pâte. Donc appuyez bien sur votre pâte, vous inquiétez pas, ça va pas faire retomber votre brioche. Ça va juste former deux trous pour pouvoir y mettre mon sucre roux et ma crème liquide par-dessus. Je remplis les trous de mon sucre. Voilà. Et je viens y mettre ma crème liquide. Donc c'est pas grave si ça déborde un peu partout. Voilà, il y en a assez, et maintenant je reparsème ma crème liquide de mon sucre roux. Il va falloir que ce soit léger, à peine d'en mettre une tonne. Voilà, et ensuite j'enfourne dans un four à 170 degrés. Pendant environ un quart d'heure. Voilà, ma tarte est sortie du four. Il n'en reste plus qu'une chose à faire, la démouler. Donc pour la démouler, je prends un couteau, j'ai taillé autour, j'ai enlevé mon cercle, et voilà, ma tarte au sucre est faite. Donc c'est vraiment une recette facile, facile à faire, rapide aussi à faire, mais tellement délicieux. Donc il y a plusieurs façons de réaliser la tarte au sucre. Celle-ci, c'est celle que je préfère entre les deux façons de faire. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook et mon Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, je le rappelle. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.